The horror of the vigil. Oh! Allez! The horror of the vigil. Oh! Le 1er janvier 1994, un culte apparaît dans la commune appelée Curralaba, dans le Chili, enfin au Chili. Quelques mois plus tard, Curralaba a reporté plusieurs cas de disparition de jeunes filles. Croyant que ce sont les gens du culte, les locaux ont commencé à payer des gens pour faire des vigiles pour protéger les filles. Juan Mara a été le premier qui a pris le job et il se prépare pour sa première nuit. Putain, on est Juan Mara! C'est un peu Jean Marais, du coup, Juan Mara. Hein. Qu'est-ce qui se passe? On est en bas à gauche. Jour 1, 20h, enfin 22h, bloc A. Qu'est-ce que tu veux? Attendez, quoi? D'accord, ok. Mais faudrait peut-être qu'on soit plusieurs, non? Mais c'est quoi ce bordel? Mais on va tous crever! Non mais honnêtement, on est mal barré là. Hein. Ah mais je fais ce que je peux, hein, mais là... Putain, c'est la merde. Il est 3h du mat. Le mec il passe sa nuit. Mais ils sont combien là? Mais c'est quoi ce culte? Cassez-vous! Mais le mec est sorti de la maison. Oust! Faudrait peut-être mettre dans le panier, j'avoue. J'ai oust! Non, par contre, faudra peut-être acheter des meilleures portes. Ou peut-être dormir la journée. Non? Bravo, personne n'est disparu aujourd'hui. Ah. Ok, donc il y a plusieurs niveaux. Jour 2. Bloc B. Il y a une voiture. Cassez-vous. Maintenant, je sais utiliser ma lampe, donc qu'on soit clair. Je pourrais utiliser ma lampe à n'importe quel moment, mes amis et messieurs. Lâchez cette porte, monsieur. Monsieur, non! Non! Putain, mais c'est pire que Diurne qui vient chaper ta bouffe, quoi. Non! Bon, c'est vachement plus gérable quand on les laisse pas venir. Il est minuit, déjà. Insupportable. C'est ça, le chili, mais ça pue du cul, hein. Je préfère quand il est dans mon assiette, le chili, si vous voyez ce que je veux dire. Ça, c'est... Une référence au... à la nourriture. Attendez, il y en a qui font de la merde en haut, là. Va-t'en! Ah putain, mais non, mais... C'est un peu plus vénère, hein. Ah, il y a les lumières qui s'éteignent quand ils kidnappent quelqu'un, c'est bien. Et du coup, vous mettez toutes les meufs du village dans les mêmes maisons. La prochaine fois, faites une maison. Compliqué, hein, ce village, quand même.
Après, il est joli. Il est joli. Il y a des petites plantes. Lâchez la condomine. Non, tu vas t'en. Mais vous passez vos nuits à ça, quoi. Ça doit être épuisant. Hein. J'espère qu'il me paye en... Il mange quoi au Chili? Qu'est-ce qu'on mange au Chili? C'est quoi le plat chilien de base? Est-ce qu'on peut chiller au Chili? Merde. Attendez. C'est bon! C'est bon, prenez-la! Il fait jour, on s'en branle. Ok, prochaine étape. On monte peu à peu vers le haut. Hein. Il y a l'air d'avoir moins de maisons. Ce qui veut dire qu'à mon avis, il va être plus vénère. Putain, il y a des murs. Hein. Non! C'est plus dur. Putain. Ça doit être épuisant comme taf. Allez, hop. Ah là là. Après, ils sont pas très stratégiques, donc ça va. Oh, mais combien il y en a, putain? Mais il y a un moment, arrêtez! Non, mais arrêtez de kidnapper des meufs! En vrai, je commence à être un peu du côté des méchants. Je veux dire, les meufs, elles font zéro effort, quoi. Peut-être elles peuvent acheter une lampe, non? C'est quoi? Il y a un port de lampe au Chili? Comment ça se passe? On est en quelle année? 94? Ça va, le Chili, c'est pas non plus... C'était pas la préhistoire au Chili en 94. Les gens, ils étaient structurés, non? Ils avaient des lampes, tout ça, non? Il y avait moyen de peut-être acheter une maglite ou deux, non? Attendez, il s'est passé un truc de ouf, là, non? Il y en a une qui s'est fait kidnapper de... pour finir. Ils ont des casques, non? Ça fait que je me gratte le nez. Pire choix. Et puis peut-être il faudrait qu'elle s'arrête de dormir, en vrai, honnêtement. Bon, je pense qu'il y en a une qui est morte, hein, les gens. Après, c'est bon, quoi. Il y en a 200 mecs. Fais ce qu'on peut, quoi. Ah, ils sont vraiment très mal organisés. Ils pourraient... Par contre, la lampe éclaire à travers le mur, et ça, c'est beau. Une fille a disparu. Ça va! Ça va, c'est bon! Organisez mieux vos villages la prochaine fois. Hein. Bloc D, les gens. Ok, ça me baisse la tête, j'ai l'impression que c'est plus facile. Moi, ce que j'aime, c'est qu'ils sont choqués par la lampe. Ils font un petit... Peut-être qu'ils devraient s'acheter des lunettes de soleil, les mecs, en fait. Pourquoi ils attaquent pas cette duo? Mais quelle heure il est? On dirait qu'il dit quelle heure il est. Mais quelle heure il est? What the fuck? Mais c'est quoi, c'est un tapir, géant? Attends, c'était pas dans le contrat, le tapir géant, là. Attendez, il y a des trucs... Mais c'est quoi, ce tapir de l'enfer? Mais j'ai jamais dit qu'il devait y avoir un tamanoir de l'enfer qui m'attaque, ça, c'était pas dans le taf, hein. Il fait un bruit d'éléphant, en plus, c'est très bizarre. Il y a des... Putain, ta mère, ça m'a fait peur. Qui c'est? Il faut...
Bon, heureusement que les tamanoirs ont peur des... Ah merde, le bas, il y a une meuf qui est morte. Ah bah écoutez, une par jour, hein, c'est notre quota. Hein. Nous on avait dit, hein, s'il y a, on a décidé, on a dit on fait pas grave parce qu'on comprend bien que bon, des gamines qui crèvent tout le temps, c'est un peu relou. Mais il y a un moment, si vous nous passez pas soit une meilleure lampe, soit des collègues, bah il faut vous attendre à ce qu'il y ait une gamine qui disparaisse par jour, c'est la moyenne quoi. Par nuit, pardon. Enfin, après en vrai ça finit par être par jour. Ok d'accord, le dromadaire. Il était 5h du matin! Il était 5h du matin! On parlait de chasse. Et mais il est 11h, vous voyez... Achetez-vous une montre, merde! Pourquoi il y a un tamanoir? Qu'est-ce que c'est? Quelqu'un peut taper tamanoir, chili? Est-ce qu'on mange du tamanoir? Ça se mange, le tamanoir? Je pense que oui, ça se mange. Tout se mange. Avec un petit peu de volonté, hein? Il a une auréole. Le manoir va bientôt arriver. Putain, ils sont vénères cette nuit, hein. Ta manoir. Bon, j'avais dit une, hein, parmi. Cassez-vous d'ici, putain. C'est vraiment pas... Il va revenir, le tamanoir va arriver. Merci, Meok. Attendez, il y a une seule maison là, dans le bloc E. Attendez, il y a une note. This is not a game anymore! Ce n'est plus un jeu maintenant. Plusieurs tamanoirs de l'enfer. D'accord, merci beaucoup Skyblast, mais là, va falloir un peu patienter. J'ai un tamanoir sur le feu. Et je ne sais toujours pas si on peut manger le tamanoir. Est-ce qu'on peut manger un tamanoir? Dites-moi les gens, sur le chat, c'est important. Ah, heureusement qu'il n'y a qu'une seule putain de maison. Celle-là, ils ont fini par écouter mes conseils et finalement, eh ben, c'est vachement plus simple à gérer, vous voyez. Par contre, vraiment, ils sont extrêmement nombreux. Peut-être, il faut leur donner le village et aller autre part. Peut-être plus faire d'enfants, ni de filles. Non, mais je veux dire, au bout d'un moment, il y a moyen que ça soit leur village à eux. Hein.
Non ? Je reste traditionnel, smiley souriant. Franchement, à une seconde, il me tuait. Tu gagnes un conseil vestimentaire de Mademoiselle Arsigan. Il est extrêmement dur ce niveau. Trempe-moi dans le Fanta. Merci Toxicity. Attendez. Putain. Toxicity, tu remportes, ça fait mouille en boucle. Et toi Skyblast, tu gastes une pub de pute. Désolé. This is no game anymore. Le son du toc-toc a l'air de bugger. Non. I know this is not the truth. Bah après, c'est pas que c'est trop long de faire avance, c'est juste que... Oh putain, il était short. C'est juste que le jeu est très rapide en fait. Hein. Une heure du mat, les gens. Moi, j'y crois, là. C'était très con. Serious business hein, ce niveau. Hein. Bah c'est pour ça qu'il y a les boutons en vrai. Hein. Les boutons c'est beaucoup plus rapide d'utilisation je pense. En fait, faut que je les paralyse avant qu'ils arrivent sur moi. Dès que je les vois, faut que je les paralyse. Ça me paraît mieux géré là. Vous en pensez quoi? Putain, mais imaginez dans la vraie vie la masse de gens qu'il y a quoi. C'est juste absurde. Moi ce que j'aime bien c'est qu'ils partent quoi après. Genre il y a un côté, genre à 5h du mat, tout le monde se dit bon bah allez on s'en bat. Non mais là on a fini les gens. Merde. Putain, je suis con, moi. Wouh ! Mais la porte n'est même pas pétée, quoi. Dernier niveau, les gens. Ou avant-dernier, je sais pas. Bloc unknown. There is monster here. Ok, c'est le rassemblement. What the fuck? On a été transformés?
Un autre échec. Incroyable! On va regarder s'il y a une bonne fin sur internet. Je pense qu'il faut zéro perte. Très très cool, hein. Franchement très très cool. Hein. Donc The Horror of the Vigil. On va regarder s'il y a d'autres fins. Ok. The Horror of the Vigil ending. Il y a un let's play. Hey everyone, this is Manly Badass Hero, and welcome. Manly Badass Hero, c'est pseudo du cul. A weird. So that. June 11, 1994, the cult burned down the Salazar. Ah, j'avais pas vu, merde, il y avait un truc. Vous avez vu? C'était un préquel à Salazar House, regardez! La fin, c'était... Putain, on a été cons, on aurait dû regarder... Putain, il est dans les remerciements, mais Manly Badass Hero. Incroyable, incroyable! Ça peut être combo aussi, mais pas nous. Les survivants sont terminés en tragédie. Les locaux ont essayé de déménager, mais c'était trop tard. Kuralaba a été pris par le culte. It was too late. Kuralaba was taking our house. 11 juin 94, le culte a brûlé la maison de Salazar. Des mois plus tard, ils ont construit une église à cet endroit. Du coup, To be continued. C'est un entre-deux jeu, quoi. It's a sequel hook. It's like a teaser. Est-ce que là-dessus... Non, il n'y a pas plus, hein, les gens. Dommage.